Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines déjà, la plateforme YouTube a sorti sa vidéo YouTube Rewind 2019 qui récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé sur YouTube cette dernière année. Et en fait, ça m'a donné l'idée de faire la même chose mais vis-à-vis de moi, c'est-à-dire mon YouTube Rewind à moi, à savoir tout ce qui s'est passé sur YouTube et papoter un petit peu de l'avenir de la chaîne parce que j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir si jamais cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que soyons honnêtes, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer, c'est parti. C'est vrai qu'en 2019, j'ai énormément développé ma chaîne YouTube et je n'ai jamais été aussi présente que cette année sur la plateforme. C'est vrai que ça fait à peu près 4 ans et demi que j'ai déjà mon petit univers sur internet et je concentrais au début tous mes efforts sur mon blog et voilà, en fait petit à petit je me suis tournée vers YouTube puisque c'est une façon pour moi de m'exprimer en plus de ce que je peux faire à l'écrit, donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. J'ai découvert énormément de choses, que ce soit le tournage de vidéos, le montage, etc. qui est totalement différente de la version écrite que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Comme j'avais bien développé mon blog, j'ai eu envie de me tourner vers ce nouveau moyen d'expression et je n'ai jamais été aussi présente sur YouTube que cette dernière année. Si vous êtes là depuis un petit moment sur ma chaîne, vous avez vu que depuis à peu près cet été, le rythme de publication est beaucoup plus intensif et beaucoup plus régulier. Je poste deux fois par semaine, donc à savoir le lundi à 17h30 et le jeudi à 17h30 aussi, et en fait ça m'a permis vraiment de prendre conscience qu'il fallait que je fasse évoluer ma chaîne et que je vous propose des contenus un petit peu plus originaux que ce que je fais d'habitude. Vraiment cette fin d'année 2019 je la vis vraiment comme une prise de risque. C'est-à-dire que je sais pas si toutes les vidéos seront sorties au moment où je parle parce que du coup en ce moment je vous fais une vidéo par jour et j'ai la fâcheuse tendance à planifier quelque chose et puis finalement le lendemain je rebouge tout parce que je trouve que c'est pas logique. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous le verrez. En fait je vous propose énormément de contenus qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que je vous ai proposé des lookbooks par exemple, chose que je ne faisais jamais avant. Je vous ai proposé des vlogs cet été, je vous ai proposé des vlogs voyage. Voilà, il y a énormément de nouveaux contenus en fait qui sortent sur ma chaîne et je me rends compte que je prends énormément de plaisir à faire ça. Même au niveau du maquillage, j'ai déjà eu du retour par rapport à ça et ça me fait extrêmement plaisir. Les personnes qui sont là depuis un moment et notamment des personnes qui me suivaient sur mon blog avant et qui maintenant me suivent sur ma chaîne YouTube ont vraiment vu l'évolution et la prise de risque entre guillemets que je prends pour faire des maquillages, et ça fait franchement trop plaisir et ça me donne toujours plus envie de faire plus. Donc voilà, c'est vrai que cette fin d'année 2019 c'était le mois on va dire prise de risque et j'ai vraiment envie de continuer cette prise de risque en 2020. Donc voilà, c'est un petit peu le changement de ma chaîne qui va y avoir dans l'année, dans la prochaine année, c'est la prise de risque et de vous proposer des contenus que je n'aurais jamais pensé avant, à savoir des vlogs décoration. J'ai une idée de vidéo comme ça en tête. C'est pareil, je sais que les vidéos rangement et astuces rangement ont bien marché sur ma chaîne et ça tombe bien parce que je compte réorganiser tout mon rangement maquillage. Donc voilà, c'est que des idées de vidéos comme ça qui me viennent, qui sont un petit peu détachées du domaine de la beauté et du maquillage à proprement parler, puisque c'est pas vraiment des vidéos où je crash teste des produits, mais ça reste quand même en lien et je trouve que c'est intéressant de vous partager tout ça et de voir que vous êtes réceptifs. Franchement ça fait vraiment trop plaisir. Il y a quelques jours je me suis amusée à regarder un petit peu les statistiques de ma chaîne pour voir en fait ce qui plaît ou ce qui plaît moins. Et ce que je me suis rendu compte c'est qu'en fait je reste dans une certaine catégorie de vidéos et je pense que par peur je ne voulais pas en sortir parce que non seulement c'est le genre de vidéo que j'adore regarder donc je voulais absolument refaire sur ma chaîne, mais je pense que par peur de décevoir ou que ça ne marche pas en fait, je n'avais pas forcément envie de sortir de ma zone de confort et
voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience et je me suis amusée à regarder un petit peu les vidéos qui sont le plus vues et celles qui sont moins vues. Donc je me suis fait une petite liste que j'ai juste là sous mes yeux. Donc la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est celle où je vous ai montré toute ma collection de palettes de maquillage. Pour être totalement sincère avec vous, c'est une vidéo que j'avais filmée, que j'avais montée et que j'ai gardée pendant quelques semaines parce que je savais vraiment pas si je devais la poster ou pas, parce que pour moi c'était vraiment étalé un petit peu, enfin voilà, c'était vraiment... Pour moi c'était vraiment du voyeurisme en fait et ben, un jour je me suis dit bon allez je voilà je tente, je la poste et en fait c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. Elle est déjà à 1200 vues il me semble, pour moi c'est juste énorme. Et à l'inverse j'ai regardé la vidéo qui a le moins marché et ça m'a quand même assez surprise, mais c'est une vidéo que j'ai postée il y a un an jour pour jour qui vous montrait mes déceptions produits de l'année, donc c'était 2018 que voilà que j'avais posté en fin d'année dernière. Et ben voilà, paradoxalement c'est la vidéo qui a le moins été vue. J'en déduis donc que ben, du coup le négatif n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de place sur ma chaîne, parce que c'est vrai que des vidéos négatives j'en ai pas fait énormément, parce que en fait pour moi s'il y a du négatif ça ne vaut juste pas la peine d'en parler. Et ben là cette fois-ci j'avais voulu essayer puisque je vous avais fait une vidéo favori, je me suis dit ben, autant faire les déceptions et fatalement c'est la vidéo qui a le moins bien marché. Donc voilà, je comprends que vous voulez plus de positivité sur ma chaîne, enfin plus que ben voilà, les côtés négatifs ne marchent pas énormément et moi ça me va très bien. Parmi les vidéos qui marchaient le moins, je me suis rendu compte que du coup les vidéos, tout ce qui est favori, tout ce qui est tutoriel maquillage marchait quand même beaucoup moins bien. Donc en fait j'ai tout simplement décidé d'arrêter les vidéos tutoriel maquillage telle quelle en fait sur ma chaîne, mais du coup de vous les intégrer dans des vidéos par exemple crash test quand je teste une palette. Et du coup c'est vrai que récemment je me suis mise à tout ce qui est réseaux sociaux pour vous proposer ce type de contenu, parce que effectivement en y réfléchissant bien je trouve que c'est beaucoup plus adapté sur bah, par exemple les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram par exemple en IGTV, je trouve que c'est beaucoup plus sa place que sur ma chaîne. Donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place et bah, voilà pour l'année 2020 j'essaye de... je vais essayer, pardon, bah de continuer comme ça et voilà, de vraiment trouver le contenu adapté pour une plateforme en particulier. En parlant de plateforme aussi, j'ai commencé à m'intéresser à TikTok. Bon voilà, on pensera ce qu'on veut de TikTok, mais je me suis lancée dessus et c'est vrai que c'est une très bonne plateforme pour vous proposer ce genre de contenu, par exemple les tutoriels maquillage en musique, assez dynamique, tout ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne plateforme pour ça. Maintenant que j'ai compris ça et que j'ai compris qu'il fallait prendre des risques, essayer de nouvelles choses, parce que clairement c'est pas en restant dans sa zone de confort que on va y arriver. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des envies de vidéos particulières sur ma chaîne, je prendrai en compte toutes vos remarques et ça serait avec grand plaisir bah, d'essayer de vous filmer quelque chose qui vous fait plaisir et qui moi me fasse sortir vraiment de mes limites. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Pourquoi personne m'a dit que j'avais du rouge à lèvres sur les dents? Voilà, bon, je viens de regarder, j'avais du rouge à lèvres partout sur les dents jusqu'à maintenant. Je suis vraiment désolée, là ça va aller mieux. Une nouvelle résolution pour 2020, toujours me regarder dans la glace avant de commencer à filmer, voir s'il n'y a pas, je sais pas, du mascara quelque part ou du rouge à lèvres en trop. Voilà, désolée. On va repartir sur de bonnes bases, je vous le promets. Mais pour ma défense, c'est un rouge à lèvres tout neuf que j'ai acheté hier, donc je ne le connaissais pas trop. Est-ce que ça peut marcher comme excuse? Dites-moi que oui. Dites-moi que oui, s'il vous plaît. Donc voilà mon débrief concernant à ma chaîne YouTube et à mon contenu. J'avais envie de vous parler maintenant un petit peu de ma consommation du contenu sur YouTube. C'est vrai que elle a vraiment beaucoup évolué cette année et j'avais envie de, ben voilà, de partager tout ça avec vous. J'ai tendance à délaisser totalement les chaînes, ben les grosses chaînes YouTube et de me favoriser, n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Mais d'essayer de me...
de m'intéresser plus aux petites. Les grosses chaînes, je ne regarde presque plus de vidéos. C'est-à-dire que les youtubeurs ou youtubeuses que je regardais aux millions d'abonnés, honnêtement, cette année, je les ai totalement délaissées et je me suis même désabonnée pour certaines. A l'inverse, je me suis énormément ouverte donc du coup aux petites youtubeurs et petites youtubeuses. Et j'ai beaucoup plus axé mes abonnements sur ces chaînes-là parce que, pour être totalement franche et honnête avec vous, je trouve que c'est pas parce qu'une chaîne a des millions d'abonnés qu'elle fait un contenu beaucoup plus qualitatif que, une petite chaîne. Et je trouve que en fait maintenant c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ces petits youtubeurs qui, ben, soyons honnêtes, ont une vie un petit peu similaire à la mienne plutôt que de regarder des gros youtubeurs qui, voilà, qui... On est clairement sur un autre monde, vous voyez ce que je veux dire? Autant vous dire que l'année 2019, je pense, va être très intense et très riche niveau YouTube parce que clairement, je me mets de nouveaux challenges et si vous voyez la liste de mes résolutions pour YouTube pour la nouvelle année, franchement, je pense que je mets la barre haute comparée à ce que j'ai pu faire maintenant. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour la nouvelle année, de prendre beaucoup plus de risques et de proposer un contenu toujours plus qualitatif et varié. Alors ça ne changera pas le fait qu'on continuera toujours à parler beauté et maquillage sur cette chaîne. Je vais pas virer du tout au tout parce que clairement c'est vraiment ce que je préfère parler. Et je connais extrêmement bien mon sujet, donc voilà, ça ne changera pas. Mais voilà, j'ai juste envie de prendre des risques, de m'amuser encore plus et regarder si j'ai du rouge à lèvres sur les dents aussi. C'est important. C'était ma petite réflexion sur mon année 2019 sur YouTube, que ce soit mes publications ou ma consommation de contenu, on va dire ça comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ben voilà, c'est l'une des dernières vidéos de 2019 sur ma chaîne, donc j'ai vraiment été super contente de la partager avec vous et j'espère vous retrouver très vite en 2020. En attendant, ben, je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année, que ce soit avec vos proches, avec vos amis et surtout, ben, mangez bien, gâtez-vous bien. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao !